Beaucoup de monde est familier avec son son poétique par aspic. Quand il lit un poème en servant la musique, sa forme-là qui servit, c'est slam. Pour que le public apprenne plus sur sa forme-là, un atelier est organisé comme une parmi les activités pour le Festival Créole. Les participants y varient depuis sa quinzaine jusqu'à un adulte et obtiennent un instructeur qui peut faire apprendre plus le slam. Pas de session bon matin, ben participants peuvent apprendre plus sur qui manière pour écrire des poèmes en servant ben spécifiques mots. Slam, c'est une qualité de compétition. Les ou lire ou poème. Ça veut dire ou poème pas pour rester juste dans le livre, dans le cahier, les ou écrit, pour capable venir avec ou bons amis qui fait pour qui écrit poésie, qui écrit poème pareil ou et lire ensemble et avec un fond musical. Et ça y permet plus tard, nous jeunes, les autres rencontrés entre eux autres, faire sa slam compétition. Carrefour des Arts peut accueillir des participants pour l'atelier photographie bon matin. Auparavant, il y a un atelier photographie et pour une première fois, c'est l'atelier est organisé dans le cadre du Festival Créole. C'est l'atelier photographie pour faire des participants relier sa forme-là avec le Festival Créole. La plupart des participants sont des étudiants polytechniques qui peuvent déjà étudier là et aussi dans les autres participants qui sont des photographes professionnels, ce qui est amateur et aussi des toits étrangers. Ça, l'atelier, il couvre trois morceaux. Nous commençons principalement avec la base photographie, qui est quand même un thème qui fait, qui est pas faire. Après ça, là, nous finissons sortir un petit peu là-dedans, nous parlons un petit peu qui c'est ça qui fait importer, pour sortir un petit peu là-dedans, la base proposition, et so on. Après ça, nous faisons une session pratique. Chaque jour, avec son caméra qui l'a mené, il peut couvrir quelque chose, un événement. Après, nous tournons. Son lendemain, il y a un photographe sicilois, Macha Jean, pour présenter son travail. C'est l'atelier une façon pour préparer les participants pour une compétition photographique qui est expectée faire l'année prochaine. C'est annoncé pendant l'ouverture de l'atelier. Directeur général pour Kilti, Marcel Rosalie, qui dit que sa compétition pour aider le développement de l'information là et aussi créer plus d'opportunités pour les photographes. C'est celle qui en a des quoi pour faire avec les photographes professionnels.